Bonjour, je suis Guillemette Van Ramdonk et j'ai participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Je vais vous en dire un peu plus. Je travaille sur TMEM165, qui est une protéine qui se trouve dans la membrane de l'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi, c'est un des compartiments de nos cellules. Et donc le rôle de TMEM165, c'est de transporter des atomes chargés, donc des ions, entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil de Golgi. La régulation de la quantité de ces ions est super importante pour le bon fonctionnement de l'appareil de Golgi. Et quand cette régulation ne fonctionne pas bien, eh bien, y a des maladies qui vont se développer et qui vont affecter tout notre organisme. Moi, le but de ma thèse, ça va être de déterminer quels ions peuvent passer par TMEM165 et dans quelles conditions. Visualiser une maison. Une maison, c'est un ensemble de pièces séparées par des murs et reliées par des portes. Ces portes peuvent être verrouillées ou déverrouillées et permettent le passage de choses spécifiques dans certaines directions et à certaines conditions. Donc c'est vrai que j'avais vu des vidéos des années précédentes et je m'étais dit que c'était quand même un exercice hyper intéressant. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de transmettre ainsi notre thèse à des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des gens parler de science. C'est vrai que ça m'a un peu challengée parce que, bon, comme je vous disais, je travaille donc dans des cellules avec des molécules spécifiques, etc. Et c'est vrai que c'est des choses dont les gens n'ont pas l'habitude d'entendre parler. Et donc, je voulais vraiment trouver une image qui permette de simplifier ça sans pour autant sur-simplifier et que l'image colle vraiment à ce que je fais. Donc ça a été un peu un challenge. Par exemple, si je commande une pizza, elle va pouvoir passer par ma porte d'entrée à condition que je paye le livreur. Une pizza pourra passer de ma cuisine à ma salle à manger, mais rarement dans l'autre sens. Et s'il y a bien une porte par laquelle ma pizza ne passera pas, c'est celle de ma salle de bain. Dans nos cellules, c'est le même principe. Je pense que ça m'a vraiment quand même appris à parler en public, parce que c'est... Il y avait quand même... Enfin, il n'y avait pas non plus énormément de gens, mais je veux dire, c'est quand même un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, et même, j'ai pour l'instant encore jamais parlé en conférence, et je pense que si un jour ça devait arriver, ben ça m'aura beaucoup aidé, de ne serait-ce que la préparation avant de monter sur scène, et de se dire, ok, les gens vont me regarder moi, tout va bien. Ça, c'était quand même un exercice qui m'a beaucoup appris, je pense. C'est très enrichissant aussi de voir, ne serait-ce que les autres candidats, parce que c'est vrai qu'on fait tous des thèses, mais on a tous des vécus très très différents. Et donc c'était hyper intéressant, je trouve, de juste communiquer avec eux, même si cette année-ci, il y avait beaucoup de gens déjà du secteur des sciences ou même des sciences de la santé. Et il n'empêche que même au sein de ces secteurs qui sont a priori relativement semblables, on avait quand même des vécus très différents, et donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En soi, je ne participais pas vraiment pour gagner non plus, mais est-ce que je m'y attendais? Je ne pense pas spécialement. Parce que je trouve qu'on a tous quand même vraiment bien fait. Quand j'ai vu mes proches à la pause, ils disaient « Ouais, t'as super bien fait, ça va passer et tout. » Donc voilà, j'avoue que j'espérais un peu, mais j'étais quand même surprise. C'est vrai que je suis plus rassurée que pour la finale UC Louvain, parce que justement, j'ai déjà fait la finale UC Louvain. Et qu'a priori, ça sera un peu différent, mais c'est quand même le même concept. Et je me dis, ça s'est bien passé une fois, ça devrait bien se passer, quoi. Donc maintenant, j'ai quand même un historique qui fait que je suis moins stressée. En tout cas, pour l'instant, on verra bien le jour même, ça, je ne garantis rien. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, c'est donc le 16 mai à l'ULB, à 18h30.